Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public. Au Duquel nous essaierons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine précédente. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mathias Fekel, ancien ministre et avocat, et Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le Dernier numéro est titré ⁇ Walkisme, fantasme ou réalité ⁇ et il est ainsi chapoté. Né aux États-Unis, les nouveaux combats antiracistes et féministes ont déferlé sur l'Europe au point de devenir une querelle française ⁇ Derrière les affrontements idéologiques, de quel horizon le walk est-il porteur nous mettrons en ligne mercredi le deuxième des entretiens dans la série, euh, si c'est pour la culture, on a déjà donné, la série de Nobada. Le deuxième des entretiens avec le baryton basse Jean-Philippe laffon qui, euh, dans sa carrière, aura chanté dans plus de 100 rôles différents dans les maisons d'opéra les plus prestigieuses. Il avait commencé avec Papageno, et je me demande si ce n'est pas avec Votsek qu'il avait terminé. Il a été en tout cas un Votsek absolument mémorable, et c'est donc. Euh, la série de quatre entretiens avec lui qui se poursuit mercredi prochain. Nous, notre prochaine émission en public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 7 avril. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Chacune de nos conversations fait l'objet d'un compte rendu analytique d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner et que vous recevrez gratuitement dans votre boîte, vo votre bo votre boîte vocale, mais dans votre boîte de courriel. Et à propos de gratuitement. Les choses gratuites ont un coût et c'est la raison pour laquelle votre contribution, défiscalisée à hauteur de 66%, est pour nous une nécessité, je dirais même une nécessité croissante. Je vous propose maintenant que nous passions au premier des deux sujets que nous avons le projet d'aborder, celui de la fin de vie. Après que la Convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental avait remis ses conclusions en avril 2023, le chef de l'État avait promis de bâtir un modèle français de la fin de vie et annoncé un projet de loi plusieurs fois reporté. Dans un entretien à Libération et à la Croix, publié le 10 mars, le président annonce pour avril un texte qui défend une démarche de fraternité et de rassemblement. Le projet prévoit la possibilité de demander une aide à mourir dans des conditions encadrées. Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, comme la Convention citoyenne l'avait recommandé. Les personnes devront être capables d'un discernement plein et entier, excluant les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement, comme Alzheimer. Elles devront présenter une maladie incurable et un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Le dernier critère sera celui de souffrance physique ou psychologique réfractaire, c'est-à-dire que l'on ne peut pas soulager. Le projet de loi indique que l'accord donné à l'aide à mourir relève d'un seul professionnel, celui auquel le malade adresse sa demande, qui peut être son médecin traitant, un spécialiste à l'hôpital, un praticien en ville ou en EHPAD. Ce médecin sollicite obligatoirement l'avis d'un autre médecin qui ne connaît pas la personne spécialiste de la pathologie, et d'un professionnel paramédical qui intervient auprès d'elle. Il peut aussi se tourner vers un infirmier aide-soignant ou encore un psychologue qui a l'habitude d'être au chevet du patient. In fine, c'est le médecin qui mène la procédure qui tranche. Il a 15 jours maximum après la demande pour se prononcer. En cas de refus du praticien d'autoriser l'aide à mourir, le patient peut saisir le tribunal administratif. En cas de réponse favorable, la prescription est valable trois mois, période durant laquelle le patient pourra se rétracter à tout moment. Le projet de loi vise également à améliorer la qualité de vie des grands malades. Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de forger pour les dix années à venir un modèle rénové et renforcé de prise en charge de la douleur chronique ou aiguë et de l'accompagnement de la fin de vie. Le texte de loi devrait être transmis au Conseil des ministres le 10 avril. Il sera dans la foulée soumis à une commission spéciale qui se réunira à l'Assemblée nationale. La première lecture en séance publique est prévue le 27 mai. Selon un sondage Ifop de juin 2023, 90% des Français estiment que la loi française devrait autoriser l'euthanasie, 85% approuvent l'autorisation du suicide assisté. Les représentants religieux, eux, font régulièrement savoir leur ferme opposition. Rupture anthropologique d'un côté, avancée sociétale de l'autre. Le clivage ne s'éteindra pas aux portes de l'Assemblée nationale sur cette question. Nicolas Bavrez. Il me semble que ce débat sur la, la fin de vie, qui est un, un débat important, euh, démarre mal et est assez, est assez mal posé parce qu'on a d'abord une, une extrême, euh, comme d'habitude j'allais dire, beaucoup d'outrance dans le vocabulaire et beaucoup de, de confusion. L'outrance, c'est de parler d'un modèle français de, de la fin de vie. Euh, D'abord, il y a beaucoup de pays qui ont déjà euh, des, des, des systèmes euh, qui permettent euh, le, le suicide assisté. Euh, et en, en, en tout cas, euh, cette... Cette idée de modèle français paraît tout à fait, euh, enfin assez démesurée. Par ailleurs, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut regarder la mort en face, je pense que ça n'a strictement euh, aucun sens. Le problème, c'est euh, d'accompagner euh, euh, un certain nombre de nos concitoyens qui sont confrontés effectivement euh, à la fois euh, à la fin de vie et à des souffrances euh, intolérables. L'autre confusion, me semble-t-il, c'est qu'on parle de fraternité s'il y a une, une valeur qui est en jeu c'est la liberté la liberté de, de chacun de pouvoir décider de, de son destin y compris quand il approche, quand il approche de la mort. alors pourquoi est-ce que d'abord c'est un, un thème sérieux pourquoi parce que euh, on a aujourd'hui à la fois l'allongement de l'espérance de vie un progrès médical qui permet euh, euh, aussi de euh, à la fois de vivre plus longtemps, mais aussi de, de, de lutter contre les maladies. Mais ça va, euh, du coup, on peut avoir des, des morts qui sont des, des morts longues et, et, et douloureuses, et puis enfin. Euh, la pandémie de Covid a quand même beaucoup euh, fait évoluer les choses parce que là, pour le coup, euh, pour un État qui se prétend euh, être à la fois euh, un modèle ou regarder la mort en face, ce qui a été fait dans, dans les EHPAD est vraiment, euh, est vraiment scandaleux. Au départ de la pandémie, on a quand même laissé euh, mourir des gens dans des conditions de, épouvantables, euh, de solitude, de, de solitude et, et d'abandon. Donc, le point de départ, je voudrais quand même le rappeler, c'est que la loi Cless-Leonetti n'a jamais été euh, appliquée. Euh, dans 21 départements, nous n'avons pas aujourd'hui de centre de soins palliatifs. Et donc, la première chose à dire, c'est que euh, euh, la, manière la première manière d'accompagner, ce sont les soins palliatifs. Et pour l'instant, aujourd'hui, la France connaît un, un, grand, euh, un, un grand retard. Ensuite, je crois qu'il faut dire les, les choses comme elles sont, c'est-à-dire que sous le mot d'aide à mourir, là encore, euh, on tord le vocabulaire, mais la réalité, c'est qu'il y a deux choses soit le suicide assisté, soit euh, l'euthanasie, c'est-à-dire euh, un tiers, un tiers qui, euh, qui, qui donne la mort. Je trouve que, euh, pour ma part, alors ensuite, c'est le jugement de chacun, mais que je, je vois peu euh, d'arguments qui peuvent être avancés contre le suicide assisté. Quand on a des gens qui sont à la fois majeurs, euh, qui ont tout à fait leur discernement, euh, qui euh, sont euh, dont le pronostic vital est, est, est engagé, alors à court terme on voit bien, moyen terme c'est plus compliqué, et qui par ailleurs connaissent des souffrances, euh, euh, des souffrances euh, insupportables. Pour euh, l'euthanasie, donc l'intervention d'un tiers, je pense en revanche qu'il faut être prudent et que notamment euh, l'idée que ça puisse être un membre de la famille euh, me paraît quelque chose auquel il faut en tout cas euh, bien Réfléchir avant de, avant de, 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 de s'y engager. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que après le, j'allais dire, le, la constitutionnalisation de l'IVG, maintenant, cette nouvelle, ce qu'on présente comme une avancée sociétale, l'idée aussi qu'on en est à la 26e euh, commémoration, ce qui me frappe quand même, si on prend un peu de recul, c'est qu'on a un président de la République et tout un système public euh, qui euh, fait systématiquement diversion pour ne pas traiter les vrais problèmes euh, du pays. Comme je l'ai dit, je pense que cette, la fin de vie n'est pas du tout euh, quelque chose de, de, de superficiel, mais euh, est, il est quand même frappant de constater aujourd'hui qu'il euh, ne se passe pas. Plus grande chose dans le système de décision publique sur les questions clés qui sont euh, la dérive des finances publiques, le fait d'avoir une économie qui ne marche plus, des services publics. Et là, on en a un bon exemple l'éducation, euh, la santé qui s'effondre. Se, qui la première chose, je le rappelle, ça serait quand même d'avoir des soins palliatifs qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est absolument pas le, euh, pas le cas. Euh, et on peut parler aussi de réindustrialisation, de réarmement ou de, beau, de beaucoup de choses. Donc je, je crois quand même que cette accumulation euh, euh, de, de réformes sociétales est la marque euh, d'un président qui ne sait toujours pas ce qu'il veut faire et d'un système de décision publique qui a perdu toute prise sur le réel. Bien, très <laughs> La question de la fin de vie est une question qui tarot d'une partie de nos concitoyens depuis déjà un, un bon moment. Euh, donc, euh, peut-être que c'est une opportunité pour le Président pour faire diversion, mais c'est quelque chose qui déjà a été euh, annoncé dans ses dans, dans ce, programmes des, dès 2017. Il euh, y a une, euh, cette préoccupation, on la retrouve d'ailleurs ailleurs, ailleurs euh, puisque c'est. Ça a été au fond accepté sans autant de difficultés que chez nous dans les débats. Si je pense à l'Espagne, par exemple, pays catholique s'il en fut, euh, où quand même l'Église a été est encore pour certains très très présente et où euh, la, la, la décision s'est passée sans grande difficulté. Je pense à l'Allemagne où c'est la cour de Karlsruhe qui a euh, d'une certaine façon obligé. Le Parlement à revenir sur une décision qu'il avait prise d'opposition à cela. Je pense à la Belgique ou aux Pays-Bas, où ça fait 20 ans que ça fonctionne, sans qu'on ait vraiment de très grosses difficultés. Et donc la France, parmi les pays européens, sauf ceux qui sont comme très catholiques avec une église puissante comme la Pologne, par exemple, où c'est inenvisageable, ou l'Irlande, où c'est aussi inenvisageable, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Europe, mais qui lui aussi criminalise ce qui serait une un euthanasie ou un suicide assisté. Donc il y a, pour moi déjà une interrogation dans un pays qui est laïque, sécularisé depuis longtemps, ce, ce rapport visiblement compliqué et douloureux. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est, je crois, la la difficulté qu'on a quand même à euh, aujourd'hui intégrer la mort dans notre quotidien. Euh, dans mon enfance, quand il y avait un mort, il y avait des tentures noires sur, la port, sur les portes de la maison. Il y avait des, des, des corbillards qui, qui, qui circulaient. Il y avait des gens qui marchaient à pied derrière. Il y avait, je veux dire, euh, c'était présent. Aujourd'hui, euh, même les corbillards sont plutôt bleu marine ou gris. Et, euh, on n'ose même plus les mettre bleus, euh, noirs, je veux dire. Bon, euh, les, les fleurs sont masquées à l'intérieur. Euh, voilà, ça, on, on fait ça, on va dire dans la discrétion. Hein, il ne faut pas euh, perturber. Euh, et puis, et je dirais que ça a presque un, un impact sur le personnel médical. Je suis très étonnée des réactions euh, hostiles même à ce projet du personnel médical. Nous n'avons pas donné à la mort le serment d'Hippocrate, etc. Euh, je trouve que quand on est médecin, euh, infirmier, on est confronté à la mort, et on est face à la mort. Et je pense qu'il y a des générations et des générations de, de, de médecins qui ont euh, aidé à mourir, et qui ont, en leur âme et conscience, fait ce qu'il fallait faire sans avoir besoin d'ameuter euh, tout le monde. Euh, bon, je, je pense qu'il y a là aussi quelque chose qui, 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 qui m'interroge euh, là-dessus. Euh, après, je dirais, euh, aide à mourir pour pas parler d'euthanasie ou suicide assisté, euh, ces euphémismes n'enlèvent rien à la chose, euh, bien évidemment. Et, et, et le troisième, enfin, quatrième point, puis je m'arrêterai là, c'est qu'il y a certaines formes de... Les traitements, et Nicolas l'a évoqué, c'est-à-dire qu'on peut maintenant maintenir des malades dans un état euh, de, de conscience et de vie, mais quand même avec des douleurs difficiles à, à, à corriger. Et, et je pense qu'il y a une maladie qui fait très peur et dont on entend de plus en plus parler, qui est la maladie de Charcot. Et le fait que des gens jeunes soient touchés par la maladie de Charcot et où ils assistent impuissants à ce qui est vraiment une dégénérescence et une déchéance pour eux terribles et qu'ils aient le droit de demander à ce qu'on intervienne pour eux. Et je, je crois qu'il faut qu'on tienne compte de ces situations-là pour comprendre pourquoi ce débat arrive aujourd'hui, maintenant. Mathias Feckel. Votre échange pose la question des garde-fous, mais j'y reviendrai après. Il me semble que ce qui se joue, c'est d'abord la capacité de notre pays, ou pas, à avoir des, des débats de fond de manière à peu près apaisée. Je suis plutôt inquiet de ce point de vue-là. Mais je, moi, je crois que c'est un problème fondamental, au contraire, ce sujet-là, qui se pose dans toutes les familles. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait une diversion. J'avais pris comme parlementaire position en faveur du droit à mourir dans la dignité en 2013 et euh, c'était déjà j'étais pas du tout parmi les premiers d'autres mènent ce combat depuis, depuis des décennies mais la société a énormément évolué là dessus euh, sous l'effet du progrès médical sous l'effet de, des drames qu'on connaît tous autour de nous et donc il me semble que de créer un cadre juridique adapté c'est au contraire une responsabilité éminente et du chef de l'État et de, de tous ceux qui ont l'honneur de, de siéger au Parlement. Après, euh, le débat il doit se mener de manière extrêmement respectueuse parce qu'on est vraiment dans l'intime, dans, dans la définition même de la vie. Dans, dans c'est une approche extrêmement à la fois philosophique, personnelle, religieuse pour certains. Et donc la première exigence c'est d'être nuancé sur ce sujet. Et la seconde qui est liée c'est de respecter, de respecter la liberté de chacun et donc de veiller à ce que toutes les solutions qui soient proposées reposent sur un consentement euh, explicite, recueilli à un moment où il pouvait encore l'être, euh, en s'assurant de la lucidité des personnes, de leur pleine responsabilité et, et d'éviter euh, euh, qu'on qu ait recours soit au suicide assisté, soit à l'euthanasie, pour de mauvaises raisons, si j'ose dire. C'est-à-dire euh, le sentiment d'être un poids pour ses proches, un sentiment d'inutilité, de culpabilité que ressentent euh, beaucoup de personnes lorsqu'elles approchent de, de la fin de vie, ou pour des raisons économiques. Ça, évidemment, ça serait absolument monstrueux. Et si on va vers ça, euh, on, clairement, on bascule dans autre chose. Mais pour le reste, euh, moi, j'incite tout le monde à lire une, une tribune de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Paul Bernard. Qui était le, la plume de, de Bertrand Delanoë et, et de François Hollande, qui a malheureusement été confronté en toute première ligne à, à cette question et qui, en juin dernier, je crois dans Le Monde, a publié un texte magnifique, euh, bouleversant, euh, en faveur de, de, du droit à mourir dans la dignité, dans lequel il dit plusieurs choses. D'abord, les situations auxquelles on pense sont pas celles, j'emprunte ces mots, dans lesquelles on s'éteint comme une bougie mais bien dans lesquels la fin de vie est un, un déchirement euh, psychologique et physique. Et puis, il dit, en réalité, on, on parle de fin de vie comme si on avait le choix entre la vie et la mort. Mais dans les situations dont on parle, on a le choix entre la mort et la mort. Et donc, c'est la manière dont finalement chacun va vivre ses derniers instants qui est en cause là-dedans. Donc, moi, il me semble que la société française est prête pour une évolution. Alors, ça ne doit pas être quelque chose de binaire. Il y a la question des soins palliatifs, elle est majeure. La loi sur le sujet de droit d'accès aux soins palliatifs, elle date d'il y a 25 ans, de 1999. Mais sa mise en pratique n'a pas été suffisante, évidemment. Il y a des endroits extraordinaires euh, d'humanité, de, de, de finesse, d'empathie, comme euh, l'Institut Jeanne Garnier, par exemple. Il y en a euh, d'autres en France. Qui, qui est une création du cardinal Lustiger. Mais qui est un, ah, un, un endroit... Ou d'ailleurs, il est mort. Et qui est un endroit ouais. euh, magnifique avec des équipes incroyables. Donc, cette question des soins palliatifs, est, elle est fondamentale, évidemment, y compris comment on dote chaque département, les déserts médicaux, comment... Euh, le, 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 tous les français ont le droit d'accéder à cela et puis ensuite il y a effectivement la distinction très, très juste de, de nicolas entre le, le suicide assisté et l'euthanasie. Le, simplement un mot pour dire que quand même aujourd'hui il y a énormément d'euthanasie de, 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 en réalité qui se pratique dans la réalité euh, mais dans un cadre juridique qui fragilise absolument tout le monde à commencer par des soignants qui voient bien donc tout se fait dans le non-dit aujourd'hui en réalité. Dans des non-dits entre les familles, les soignants, les patients. Ou des... euh, donc là, il faut sécuriser, je pense, le, le cadre juridique. Et encore une fois, les garde-fous qui sont totalement majeurs euh, et, et fondamentaux. Avec un grand risque là-dessus, c'est qu'on tombe dans la pure procédure. Ça, c'est un risque très français. Hein. Euh, la procéduralisation, avec à la fin une captation euh, par le pouvoir médical ou le pouvoir administratif, ou une espèce d'agglomérat de, des deux, qui là donnerait des choses évidemment euh, très peu, très peu souhaitables. Jean-Luc Bourlanges. Oui, c'est une, c'est vraiment. Je je, je, suis... je ne suis pas d'accord avec Nicolas sur la diversion. Je suis. Comme Mathias, je pense qu'il n'y a pas de d'iversion, que c'est un sujet important. Et je ne pense pas qu'on peut reprocher au président de la République de, de diriger mal le pays, ce que Nicolas fait assez régulièrement, il faut reconnaître. Euh, mais on ne peut pas lui reprocher en ce moment de passer sous silence un certain nombre de, de problèmes, que ce soit les problèmes budgétaires ou les problèmes, ou, ou, ou les problèmes internationaux. Et je ne pense pas qu'on puisse estimer que cette, cette affaire est une... Est une diversion, c'est une. Effectivement, elle est détachée de tout, de tout rapport d'urgence à la conjoncture, alors que le gouvernement est assailli par des, des moments d'urgence, mais euh, ça n'est pas une raison pour ne, ne pas, ne pas l'aborder. Euh, je suis. Euh, je suis effectivement. Euh, la deuxième remarque préalable, c'est. Euh, J'espère que ça ne va pas tourner au pugilat politique. Alors je crois que ça ne tournera pas au pugilat politique au sein de l'Assemblée. J'espère, je pense, au sein du Sénat euh, non plus. Euh, en revanche, il, je, je, je trouverais très, très regrettable qu'il y ait de grandes manifestations, car ce n'est pas une affaire de pression. Je comprends très bien que euh, notamment les catholiques et d'autres aient une réaction négative. Moi-même, la, la mienne est plus que prudente et même assez négative, mais euh, je pense que ça ne, se, ça ne, se, ça ne doit pas s'exprimer à travers des tentatives de formation d'un rapport de force. Et, et donc, je, je ne voudrais pas qu'on ait les, la même sorte de, de manifestation qu'on a eue sur le, le mariage pour tous, sur le, 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 le Pax, enfin, tout, bon, je crois que c'est des choses importantes. Sur le fond, je, je suis très... Très perplexe. J'attends de voir ce qu'on va nous donner exactement à voir. J'attends de voir comment tout ça va se faire. Mais je crois que d'abord, on, on, on confronte là deux logiques qui sont très différentes. Là, alors on appelle ça suicide assisté euthanasie. Il y a une logique de liberté, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un est maître de sa vie et de sa mort, qui est une logique très précise et une logique qu'on peut qualifier de fraternité, c'est-à-dire est-ce qu'on doit aider les gens à, à, à mourir pour s'épargner un certain nombre de souffrances ces, euh, ces deux logiques sont, sont différentes. Alors pour la liberté, euh, je crois que c'est une question. Évidemment, l'Église est totalement hostile elle estime que la vie appartient au seigneur, n'appartient pas à chacun d'entre nous. donc elle est très hostile, mais on comprend euh, des attitudes qui relèvent plus du stoïcisme antique. Euh, on pense à des suicides comme celui de monterlan ou celui de mon vieil ami roger stéphane, euh, des choses comme ça qui sont des, des gens qui à un moment estiment que la, euh, il faut s'arrêter. il faut s'arrêter. Euh, et, et, voilà. et, et, et là, euh, on, on, voit bien, euh, on ne voit pas pourquoi on limiterait euh, à des conditions assez précises, c'est-à-dire la souffrance, l'imminence, euh, l'imminence de la mort, euh, la souffrance, euh, l'absence de, 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 de possibilités alternatives, et on, bon, on, on décide de se suicider. Et en revanche, on, on ne voit pas non plus pourquoi on bénéficierait. Euh, d'une assistance, ça, ça, on doit le faire soi-même et effectivement peut-être euh, la, la société doit donner les moyens euh, euh, d'information technique sur la, 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 la façon de, de, de procéder mais c'est une décision entièrement personnelle. Ça, je crois que c'est un débat. C'est un débat qui se pose en soi, qui est indépendant de la, la, la fin de vie en termes médicalisés. Et puis l'autre logique, c'est une logique de, 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 de fraternité combinée avec la liberté. Et là, je trouve qu'on est dans des domaines extraordinairement dangereux. Je comprends tout à fait ce que vient de dire Mathias, mais on est dans des domaines extraordinairement difficiles euh, à, à contrôler d'une façon, euh, façon raisonnable. On peut se poser une première question, euh, qui, euh, qui, doit, qui, doit donner, euh, qui doit donner la mort Alors On voit bien tout de suite euh, les, les, un proche. Le mari de la femme, la femme du mari, etc. Ça, je crois que c'est absolument épouvantable. Et les exemples sont, sont légions de gens qui ont peu ou prou participé à la mort de, de leur conjoint, par exemple, et, et qui ne s'en remettent pas. Moi, j'ai un exemple d'ailleurs tout à fait précis d'un ami euh, qui, euh, le mari, a simplement accompagné euh, sa femme en Belgique. Accompagné, il est, ils sont partis à deux, il est revenu seul. Euh, L'homme est véritablement profondément dévasté. Le corps médical, moi je comprends, euh, je comprends très bien. Euh, les réactions des médecins qui disent euh, on n'est pas là pour ça, on ne peut pas alors évidemment de toute manière il y aurait une clause de conscience c'est évident mais euh, même je comprends très bien que ça soit considéré comme euh, quelque chose de, 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 de très inhumain et euh, je, je pense comme badinter euh, je crois que badinter a raison sur ce plan qu'en démocratie on ne donne pas euh, la mort euh, à l'autre euh, il faut donc que ce soit et là, on revient à la liberté, que ce soit une décision de la personne concernée, et donc dans quelles conditions. Et là, on voit bien à quel point euh, tout ça est, est fragile, parce qu'il faut que la personne soit consciente. Il faut, on dit la souffrance, l'urgence, hein, c'est ça, c'est ça, la, et, et, la, et la conscience, l'urgence, hein, c'est ça qui, et, et évidemment la, la volonté claire. Or là. On est dans des domaines, la volonté, c'est la mort et le bûcheron précisément, quand la mort vient, on n'a plus envie de la recevoir. Euh, la, la conscience, on exclut pour l'instant euh, les enfants, on exclut des gens qui sont évidemment en situation d'Alzheimer profond et qui n'ont plus la maîtrise. Alors donc on en revient à des délégations, des délégations dont on ne sait pas... Euh, quand, quand elles ont lieu Le, la, 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 la probabilité de la mort on parle de, euh, de certitude à court et à moyen terme les médecins disent à moyen terme on n'en sait rien du tout hein. moi j'ai un ami qui vient de mourir euh, il avait on lui avait, il avait un cancer du pancréas on lui a pro pronostiqué euh, six mois maximum il voulait vivre il a tenu 18 mois bon tout ça n'est pas clair du tout et, et, et or on voit que dans les usages dans les usages, toutes les lois dans lesquelles on pose des principes, ces principes sont peu à peu déplacés. Et enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et je suis très choqué par la façon dont on aborde la chose, c'est le problème des soins palliatifs. Dire, dire qu'on va mettre, on va faire une loi pour dire qu'on va faire des, lois, des, 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 des soins palliatifs alors qu'on a la loi, la loi Kless-Leonetti, c'est-à-dire qu'on va faire une loi qui va dire on va appliquer la loi, on va appliquer la loi précédente. C'est évidemment... Totalement, euh, totalement aberrant. Et je crois que l'effet pervers, l'effet pervers, je termine, euh, l'effet pervers de, euh, de, de la possibilité alternative d'échapper aux souffrances par la mort donnée sera dans cette situation désespérante sur le plan des finances publiques où les, 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 les moyens ne sont jamais là, etc. Ce sera effectivement euh, la fin euh, des, 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 des soins palliatifs. Donc je crois, moi, je crois qu'il faut commencer. Par le commencement. Le commencement, c'est d'appliquer la loi Leonetti et de créer effectivement très rapidement les unités de soins palliatifs, qui sont très difficiles à mettre en place, très coûteux, mais c'est par ça qu'il faut commencer. Merci. Je vous propose que nous passions notre deuxième sujet, qui est de se demander si le triangle de Weimar peut relayer le couple franco-allemand. Lequel couple franco-allemand, ou le moteur franco-allemand, comme on dit ailleurs, est aujourd'hui grippé le chancelier Scholz ne voit pas le <coughs> de salut de l'Europe hors, hors de son ancrage avec les États-Unis, tandis que le président Macron prône la souveraineté européenne. Les deux dirigeants étaient du même côté, celui des sceptiques et de l'apaisement avec la Russie au début de la guerre. Mais depuis l'été 2023, la position d'Emmanuel Macron a radicalement changé pour se rapprocher de celle des pays de l'Est de l'Europe et du Royaume-Uni. Les désaccords et l'inimitié entre les deux hommes semblent avoir augmenté après l'annonce du chef de l'État français de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Afin de débloquer la situation, le chancelier allemand a réactivé à Berlin le 15 mars le triangle de Weimar, cette entente cordiale entre la Pologne, l'Allemagne et la France créée en 1991 pour soutenir le pays alors dirigé par Lech dans son adhésion à l'OTAN. Un canal qui a connu de nombreuses pauses, surtout ces huit dernières années, lorsque le parti souverainiste ultraconservateur Droit et Justice, le PIS, se trouvait au pouvoir avec une position très atlantiste et en privilégiant une relation bilatérale avec les États-Unis. Depuis décembre 2023 et l'arrivée aux affaires de Donald Tusk, les Européens attendent beaucoup du nouveau gouvernement polonais en matière de réengagement. À l'issue de ce sommet, le chancelier Scholz et le président Macron et le Premier ministre Tusk ont promis de livrer davantage d'armes à Kiev, notamment de l'artillerie de longue portée. Cette coalition sur les frappes en profondeur avait déjà été présentée le 26 février à l'Élysée lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, mais cette fois, l'Allemagne l'endosse ouvertement. L'augmentation des livraisons d'équipements militaires sera effectuée via des achats sur le marché mondial et par la production d'armes sur le territoire de l'Ukraine en coopération avec divers partenaires. Le chancelier allemand a aussi indiqué que les pays européens allaient se servir des recettes générées par les actifs russes gelés pour financer des achats d'armes. Selon les estimations, l'Europe aurait gelé près de 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe et plusieurs dizaines de milliards d'euros de biens divers appartenant à des personnes sanctionnées. Olaf Scholz s'est également félicité de la nouvelle aide militaire de 5 milliards d'euros annoncée la semaine dernière par l'Europe à l'issue de plusieurs mois de négociations. Donald Tusk a souligné, souligné qu'il était important que Paris, Berlin et Varsovie parlent d'une même voix et il a annoncé la tenue d'une réunion du triangle de Weimar cet été. De retour à Washington, le Premier ministre polonais avait rappelé que l'Europe devrait surtout penser à renforcer sa défense dans la perspective d'une victoire électorale de Trump. En novembre. Sur cette question, Mathias Alors Le triangle de Weimar, ça fait partie de ce, ce vocabulaire un peu ésotérique parfois euh, auquel l'Europe le, le, peut nous habituer. Je ne suis pas sûr que ça parle énormément euh, à, à beaucoup de monde, mais pourtant c'est un, un format très intéressant. Euh, vous l'avez rappelé, il est né en 1991. Euh, à l'époque, pour euh, soutenir la, la Pologne dans son, sa volonté d'adhérer. Euh, à l'OTAN et dans, donc deux ans après la chute du mur de Berlin a lieu pardon et, euh, et un comment dire un, un contexte géopolitique qui était totalement euh, différent Alors si la question se pose aujourd'hui de, de l'importance de ce triangle c'est d'abord parce qu'avec la guerre en Ukraine on a effectivement, à une prise en compte accrue des, des attentes des pays de l'Est euh, au, au sein de, des processus de prise de décision européenne. Et euh, les pays baltes, dont on comprend la, la très grande inquiétude euh, aujourd'hui face à, à Vladimir Poutine, euh, se, se sentent d'une certaine manière rassurés par le, la renaissance de, de ce triangle. Mais plus profondément, si le triangle de Weimar ces, ces derniers jours a acquis une actualité importante, c'est évidemment sur fond de désentente euh, franco-allemande euh, majeure sur tous les sujets hein, de, de longue date, sur les grands sujets d'intégration économique, sur l'énergie, sur l'immigration. Euh, le, le, les désaccords sont, sont nombreux et aussi sur le dossier majeur de l'Ukraine. Alors, il y a, y a le, la, la désentente aussi. Euh, ou l'incompréhension totale, ou l'agacement, je ne sais pas comment il faut le qualifier maintenant, entre euh, les deux chefs d'État et de gouvernement, entre le président Macron et le, et le chancelier Scholz, qui ont des personnalités très différentes. Je ne sais plus qui disait entre celui qui parle trop et celui qui je parle trop peu. <laughs> euh, c'était sans doute Jean-Louis Bourlange, donc c'était une excellente référence. Euh, euh, ça ne passe pas, il y a deux styles de gouvernement très différents, euh, adossés à des institutions politiques aussi extrêmement différentes. Mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'il y a vraiment un grand besoin d'abord de se ressaisir dans la relation franco-allemande. Je dirais après ce que le triangle de Weimar peut apporter selon moi, mais je ne crois absolument pas qu'il puisse venir se substituer euh, au moteur franco-allemand. Ça, c'est un leurre, même si aujourd'hui, euh, le, les Allemands irritent énormément en France et inversement, euh, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'une Europe forte puisse se construire sans qu'il y ait une entente sur les grands sujets ou au moins un accord sur le désaccord, comme on dit dans, le, dans la pratique de la médiation. C'est-à-dire qu'on se parle à nouveau. Aujourd'hui, le drame, c'est que les deux dirigeants ne se parlent plus en confiance. Et quand ils se parlent, euh, d'ailleurs, il y en a toujours un des deux qui sort en conférence de presse pour ensuite euh, mettre l'autre en, en très grande difficulté. Ça, c'est très problématique. Il y a toujours eu dans l'histoire franco-allemande des moments de désaccord, y compris entre les grands présidents et chanceliers dont on se dit qu'ils ont fondé le couple franco-allemand ou le moteur franco-allemand. Il euh, y a eu des moments où ça n'allait pas sur des grands sujets. Simplement, c'était formalisé euh, dans les têtes-à-têtes. Et il prenait grand soin de ne pas s'exprimer de manière à mettre l'autre en difficulté majeure sur sa scène politique intérieure ou sur la scène internationale. Donc il y a un grand besoin là de, de se ressaisir, de trouver les formats et les canaux de la, de la discussion. Alors, ensuite, sur le triangle de Weimar, il me semble que ce, ce pivot. Euh, vers l'est, où cette prise en compte des attentes des, des pays membres de l'Union européenne à l'est, euh, évidemment, peut être facilitée par le, le rôle de la Pologne, que le président Tusk euh, aujourd'hui, euh, qui connaît les institutions européennes, qui en est un, un, un grand praticien et qui sait aussi ce que ça peut supposer d'effacement, de mise en retrait pour rapprocher des points de vue, eh bien peut avoir un, un rôle extrêmement, extrêmement euh, positif, euh, un rôle utile. Voilà. Après, encore une fois. Le franco-allemand, ça doit jamais être quelque chose d'exclusif euh, au sein de l'Union européenne, mais ça reste, selon moi, euh, absolument incontournable. Le, le, si la Pologne joue un rôle aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est montée en puissance économiquement. On n'est plus à l'époque euh, du plombier polonais, cette expression lamentable qui avait fleuri au moment du référendum en, en 2005, qu'elle est montée en puissance aussi d'un point de vue militaire. Hein, de France, Allemagne, euh, Pologne ce sont les trois premières armées européennes, maintenant que le, le Royaume-Uni euh, a, a quitté l'Union. Béatrice Giblin. Oui, effectivement, le, le moteur, euh, parlons pas de couple, puisque c'est très mal vu en Allemagne de parler de couple franco-allemand, prenons le, le, le moteur. Je suis d'accord avec Mathias, assez, ça reste un élément central, euh, évidemment, de, de la permanence de l'Europe et de, de son évolution. Euh, ceci étant, si on est dans ces dissensions ou ces mésententes fortes, c'est parce qu'on n'a jamais été dans une situation comparable depuis le début de la création de l'Europe. Des tensions entre la France et l'Allemagne, il y en a eu. Mais là on est dans quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire que un des partenaires choyé sur le plan de l'énergie par l'Allemagne qui était la Russie parce que n'oublions quand même pas que Nord Stream 1 et 2 a été fait avec l'accord de l'Allemagne et voire même l'appui de, de, de l'Allemagne euh, qui était un moyen d'enlever de, à l'Ukraine une grande partie de ses revenus puisque plus de royalties puisque ça ne passait plus sur son territoire. Donc euh, le pari qui a fonctionné pendant un temps pour l'Allemagne sur le plan économique, une énergie pas chère, euh, une exportation en Chine euh, et, et puis au fond l'OTAN pour s'occuper de notre défense, aujourd'hui c'est quand même trois points forts qui sont extrêmement fragilisés. Donc l'Allemagne, elle est dans une situation, le gouvernement allemand est dans une situation où euh, régler les mésententes comme on a pu le faire euh, auparavant me semble aujourd'hui euh, un contexte totalement, totalement différent. Euh, J'y vois aussi des, des, des représentations de, de ce que sont ces... la façon dont se perçoivent ces, ces, ces deux grands États européens. Euh, Soltz a dit, euh, c'est un changement d'époque. Ce qui nous arrive fait que c'est un changement d'époque. Euh, et d'ailleurs, on, on va maintenant s'occuper de notre armée qui était dans un état absolument, on peut le dire, lamentable. Bon. Euh, même s'ils si ont une industrie de défense, mais ils ont quand même toujours plutôt joui, joué l'Amérique, les États-Unis, euh, que d'avoir un projet de défense européen. Néanmoins, euh, la perception qu'ont les, les Allemands et en particulier les gens du SPD, c'est quand même une attitude pacifiste. C'est quand même, euh, on fait pas la guerre. Euh, la guerre c'est pas bien. Euh, et, et il se trouve dans une coalition aujourd'hui euh, où une partie de ses partenaires ne sont pas sur cette position-là, y compris les Verts. Et ça, c'est quelque chose qui est à mon avis un changement important. En, en Allemagne. Les Verts, les, les libéraux euh, et, et, et le SPD est confronté, euh, y compris maintenant avec son opposition CSU, euh, qui a pourtant été euh, faire les yeux doux à, à, à Poutine pendant longtemps, qui est sur des positions beaucoup plus offensives et réclame qu'on envoie les, les missiles torus. Donc la situation de l'Allemagne est quand même... Euh, un, très particulière en ce moment, à la fois sur le plan interne et, et dans ce bouleversement de sa situation euh, internationale. Et puis, face à ça, on a une France qui s'est toujours voulu. Une puissance militaire, Conseil de sécurité, la, la dissuasion nucléaire, c'est son rôle, c'est son, j'allais dire, c'est ce qui lui garde sa, son, son son image. Et je vais bientôt m'arrêter. Ce qui me semble intéressant, c'est que à la fois Macron pousse à une défense européenne faisant attention aux États-Unis avec Trump, etc. Mais je suis pas si sûr que les Français seraient si contents que ça s'il a Allemagne devenait enfin une, pu une puissance militaire efficace compte tenu de son savoir-faire. Nicolas Bavresse. L'invasion de, de l'Ukraine par la Russie a effectivement fait exploser les, les tensions entre le, la France et l'Allemagne. Ça a été dit euh, depuis le début, ce, ce pseudo-couple est en fait euh, un couple euh, mal assorti parce que euh, les, non seulement les... les au départ, il y avait l'équilibrage entre l'économique côté allemand et puis la politique côté ou euh, euh, la diplomatie et le militaire côté français. Mais la réunification allemande a fait euh, exploser euh, euh, tout ça. Euh, et puis euh, les, dire les modes d'organisation. On a un État fédéral d'un côté, une, une monarchie euh, républicaine de l'autre. Les, les, la culture, tout ceci est extrêmement euh, est, est aux Antipodes. Et là où effectivement. Euh, on a la combinaison de deux de choses. C'est qu'il y a cette nouvelle donne qui est une nouvelle donne extrêmement brutale, avec euh, retour d'une menace existentielle sur l'Europe par la Russie, avec euh, euh, retour de la guerre sur le continent européen et d'une guerre de haute intensité euh, et durable. Et puis. Euh, le troisième élément, qui c'est qui est, qui est, euh, évidemment l'évolution des États-Unis, euh, qui réassurait et l'économie et la stratégie européenne. Et là, il est clair que on voit déjà pour l'instant que sous Biden, l'aide à l'Ukraine est bloquée aujourd'hui. Évidemment, l'élection de Donald Trump pourrait ouvrir la porte à un nouveau Yalta où Trump irait discuter avec Poutine d'un nouveau partage de euh, l'Europe. Donc c'est vraiment un euh, séisme. Et donc, euh, euh, là-dessus, que voit-on Finalement, deux pays qui sont tous les deux en grande difficulté. On a deux leaders qui sont euh, euh, extrêmement impopulaires et affaiblis. Olaf Scholz a une coalition qui ne marche plus et il, a, il bat des records d'impopularité. Emmanuel Macron, c'est la même chose avec une absence de, par ailleurs de, de majorité et une perte de contrôle des finances publiques, de l'État euh, et de la capacité à agir. Derrière, les deux modèles sont à bout de souffle. Le mercantilisme allemand, on l'a rappelé, c'était l'idée j'avais les bas coûts de l'Europe de l'Est, j'avais euh, les bas coûts de l'énergie en Russie et j'exportais vers la Chine. Il n'y a plus rien de tout ça qui n'existe aujourd'hui. Le modèle français de décroissance par la dette publique. Il est mort aussi. Il suffit de voir aujourd'hui l'état des déficits et, et, et de la, la dette. Et puis, il faut rappeler quand même que les deux pays sont unis par le fait qu'ils se sont complètement trompés sur la réalité de ce qu'était la Russie de, de Vladimir Poutine. Donc, c'est là... Où, où ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, est intéressant, parce qu'on a eu une succession de, de, de déclarations complètement contradictoires du président de la République, qui a commencé par euh, euh, parler de, de l'envoi de troupes au sol, ensuite euh, du refus de l'escalade, ensuite euh, du fait que la Russie était une puissance euh, moyenne. Bref, l'intérêt de cette réunion de Berlin, c'est que ça permet de, de stabiliser le système. Et pour finir, je dirais, bien sûr, ce qu'on a dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que weimar en soi euh, c'est pas là-dessus qu'on peut vraiment reconstruire le socle euh, mais ça peut permettre peut-être de surmonter les divergences parce que ce qui est intéressant c'est deux choses premièrement l'évolution de la pologne qui manifeste le, le, le fait que euh, l'europe centrale et orientale mais aussi et surtout les baltes ont de plus en plus de poids et surtout on, bien sûr qu'on ne fera pas euh, on ne va pas faire la défense de l'europe face à poutine sans les européens on le fera pas sans un socle franco allemand fort mais celui qui a dit les choses les plus intelligentes et les plus cohérentes c'est donald tusk il, est, il, a, il a rappelé la base qui est aujourd'hui il faut s'organiser vite pour fournir des munitions et des armes à l'ukraine puisque elle manque d'hommes et euh, d'armes et de munitions, on ne peut rien faire pour les hommes, on peut faire pour les armes et les munitions. Deuxième chose, il faut accélérer le réarmement de l'Europe, et euh, là, encore, euh, là encore, il y a raison. Donc, en fait, on a quand même à travers cette réunion de Weimar le socle de ce que devrait être une politique européenne euh, plus active et plus cohérente. Jean-Luc Bourlange. Oui, je, je crois que le, le, le triangle de Weimar a une réalité euh, quand même profonde, potentielle mais profonde. Qu'est-ce qui a fondé euh, l'entente franco-allemande C'est deux choses. C'est d'une part la pacification euh, des esprits, des âmes, des ambitions entre deux peuples qui n'ont cessé de se battre, non pas depuis mille ans, parce que ça, je ne crois pas à ça, mais en tout cas depuis deux siècles et demi. Euh, et, et deuxièmement, c'était l'idée que puisque Kissinger avait notamment formalisé le problème européen en disant... L'Europe, c'est très simple. Il faut que l'armée allemande soit assez forte pour battre simultanément l'armée française et l'armée russe, mais pas suffisamment forte pour dominer l'Europe. Évidemment, c'était une contradiction fondamentale, et donc le choix qui a été fait, qui a été fait par les Français, qui a été réaffirmé par les chrétiens démocrates, notamment par Wolfgang Schäuble et Karl Lamers dans les années 90, puis par Helmut Schmidt à plusieurs reprises, notamment dans son testament euh, à la mairie de, de, de Berlin euh, devant le congrès du SPD. C'est que l'entente entre l'Allemagne et l'ensemble de l'Europe privilégiait tout par rapport à la Russie, donc c'est l'idée que on, 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 on échappait à cette fatalité historique par ce double choix de pacification intérieure entre nous et de solidarité privilégiée. Par rapport à, à, à la Russie. Sur la Pologne, le problème se pose dans les mêmes termes. Il s'agit pour les Polonais de surmonter une haine séculaire vis-à-vis -vis des Allemands et il s'agit effectivement de se fédérer, de se lier profondément à des puissances qui ne veulent pas du joug russe. Le PIS. L'ancienne direction polonaise était, de ce point de vue, dans une contradiction totale, euh, de, développant à la fois l'hostilité à l'Allemagne, l'hostilité à la Russie et l'hostilité à l'Europe. Euh, donc il y avait une contradiction. Et de ce point de vue-là, les élections en Pologne de, 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 de l'automne dernier ont véritablement modifié la donne. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très fort euh, qui n'est pas garanti. La France, c'est. Euh, la France, même le général de Gaulle, contrairement à ce qui est dit, a toujours fait le choix de l'Allemagne. Euh, par rapport à la Russie, et n'a jamais fricoté avec la Russie, si je puis dire, quand la Russie était menaçante pour nous. Euh, dès que euh, François Bujon l'étant rappelé l'autre jour, euh, dès que le, euh, les, les, les Russes sont réintervenus en, en République tchèque, il, il, a, il a arrêté les, les affaires. Les Allemands ont été tentés à plusieurs reprises, notamment du temps de Willy Brandt, avec euh, l'affaire Guillaume, le, le, d'avoir une relation particulière avec la Russie. Euh, et, et Schmitt y a mis bon ordre et Kohl a suivi cette direction. Et même euh, à l'époque, Schröder n'a pas dit grand-chose. Euh, donc, on, on, a, on, on a vraiment maintenu ce lien fondamental et les Polonais, donc, font ce choix. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Notamment à la lumière du désengagement américain. Simplement, je pense que euh, là, euh, je crois que Monsieur Haro qui dit, euh, Gérard Haro qui dit, il ne faut pas parler de couple. Tout ça, c'est c'est de la mythologie française. Il faut parler d'entente. De, euh, il a quand même. De ne pas considérer que c'est un élément central de la construction européenne et qu'il faut le, 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 le considérer comme tel, et, euh, et, et, et il a et, et, et que cet élément est absolument euh, vital. Euh, deux conséquences à cela premièrement, un triangle, tout le monde les ménages à trois, c'est pas la même chose que les couples c'est plus compliqué, ça a des charmes, ça a du charme, mais c'est plus compliqué qu'un que, que, qu couple. Donc il faut faire attention et comme ça implique, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que la Pologne, elle porte toute l'Europe centrale et orientale, l'Europe de la confrontation immédiate, de la vulnérabilité absolue avec la Russie, que ce soit dans les Balkans ou que ce soit dans les Pays-Baltes. Ça, donc, ils sont porteurs de cela. Et donc maintenant, on a cet élément d'intégration à l'Europe de cette réalité et simplement ça passe, quand on est trois, ça passe par le développement des institutions communes. Je crois que c'est le grand absent de l'élection européenne en ce moment, c'est l'idée de, des institutions européennes. Ce qui fait l'originalité de la construction européenne, c'est... L'intégration politique, juridique, euh, institutionnelle, judiciaire, euh, et, et là, je trouve que derrière le triangle, il y a cette possibilité. Et puis, il y a deuxièmement une très grande inquiétude qui a été exprimée par vous d'ailleurs, euh, qui est ce que j'appellerai, qu'on appelle le Sonderweg, la tentation de la voie allemande, parce que les Allemands sont dans une situation. C'est pas le, la dégradation du couple franco-allemand. C'est une conséquence de, ce, de ça. C'est pas la cause. Mais les Allemands sont. Euh, privés de, comme l'a dit Nicolas, sont privés de, 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 de perspectives commerciales vis-à-vis de la Chine, sont privés de débouchés d'approvisionnement de, énergétique par rapport à la Russie, sont menacés d'être privés d'une garantie de sécurité par les États-Unis. Ils sont, sur le plan intérieur, sur le plan économique, ils ont un système bancaire qui est faible ils ont un système démographique, hein, une, une, des ressources démographiques très faibles, et dans la stagnation allemande, la, les, les pénuries de personnel euh, sont absolument euh, fondamentales, et ils ont un retard technologique qui est très fort, euh, très important. Et alors, face à cela, on connaît bien les Allemands. La tentation allemande, ça peut être le repli le repli sur soi, le Sonderweg, la, la voie unique en disant on va se débrouiller, on va acheter des trucs aux Américains pour qu'il reste des, des, des armements, pour qu'ils restent un peu chez nous, on, on va s'arranger un peu avec les Chinois, puis les Russes, ça ira peut-être mieux plus tard. Et, et ça, ça serait tout à fait, tout à fait catastrophique. Et je crois que le, le triangle de Weimar est, doit être un moyen de contrer cette démarche euh, unilatéraliste, euh, qui est une tentation euh, euh, compréhensible, et pas, euh, elle n'est pas en soi euh, euh, critiquable, mais elle est effectivement tout à fait contraire au, au projet européen qui est le nôtre. C'est un des grands enjeux des mois à venir euh, pour l'Union européenne. Merci. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brefs, que j'ouvrirai en annonçant peut-être pour certains que Jean-Marie Borzex, qui fut le directeur. Et le rénovateur de France Culture de 1984 à 1997 est mort dimanche dernier. C'est à lui que je dois d'être entré dans cette maison. Sa façon d'incarner ce dont il se réclamait suffisait à asseoir son autorité, qu'il s'agisse de ses convictions personnelles ou de ses conceptions du métier. De tous ceux sous la responsabilité de qui j'ai eu à travailler, il est le seul que j'appelais patron comme les comédiens du TNP le faisaient avec Villard, comme les acteurs de sa troupe le faisaient avec Jouvet, comme moi, comme nous, qui étions la troupe qui l'avait réunie, en plus de reconnaître et de partager sa vision de notre métier, en plus de nous retrouver dans son idée du service public, qui était de prendre le risque de proposer à nos auditeurs des émissions dont ils ne savaient pas qu'ils pourraient les aimer, en plus de comprendre qu'il offrait à France Culture l'avenir dont elle avait besoin, nous ressentions une affection et une admiration imarcessibles pour l'élégance avec laquelle il nous dirigeait. Élégant est une épithète qui lui allait et qui lui va pour toujours. Jean-Marie Borzex était l'élégance fait homme. Nicolas Bavresse. Je voulais recommander la, la lecture de Eri de Luca, euh, donc, qui est un, un, un auteur italien euh, napolitain qui a été euh, engagé dans la à l'extrême gauche dans, dans l'OTA Continua, qui est tout, qui est resté... Euh, il est à la fois alpiniste écologiste. Il, il a fait euh, euh, plusieurs convois humanitaires vers l'Ukraine pour euh, apporter de, de, de l'aide aux, aux Ukrainiens. Et c'est donc un homme engagé, mais c'est aussi surtout un, un grand écrivain. Et donc, euh, Quarto Gallimard a eu la bonne idée de réunir un certain nombre de ses romans, récits, euh, poèmes ou pièces de théâtre dans un volume itinéraire qui est, qui est tout à fait euh, remarquable. Et on peut aussi euh, citer son, son dernier livre, Grandeur Nature, également chez Gallimard, qui explore les relations euh, père-fils, comme il le dit, euh, n'étant pas père, je suis resté fils. Et à, à travers... Euh, euh, différents récits, il explore cette, euh, cette relation père-fils euh, depuis les vagabonds napolitains jusqu'à Abraham et Isaac en passant par la génération de, de mai 68. Béatrice Gible, euh, bah, moi pour euh, rester dans nos préoccupations, euh, je vais parler de conseiller le dernier livre de Sylvain Kahn, « L'Europe face à l'Ukraine, qui a été publié au PUF. Sylvain Kahn est un universitaire. Euh, passionné par l'Europe depuis, depuis très 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 longtemps. Et euh, c'est un petit livre qui insiste sur les métamorphoses. Euh, liées au choc que subit euh, l'Europe le, déjà depuis, euh, euh, on va dire, de, 2005 ou 2005 à, à l'échec euh, du, du référendum sur la Constitution. On a l'impression que tout est à volo. Et puis, comment, face à des crises sévères, euh, au fond, l'Europe a pu se, se, se ressaisir. Euh, le Brexit, euh, la Covid, bien, bien évidemment, et surtout, évidemment, euh, la guerre en, en Ukraine. Et il analyse comment ça devient une, une Europe ou robuste ou une Europe vulnérable et avec des scénarios à la fin qui sont assez, assez pertinents de mon point de vue. Mathias Fekel, je recommande le roman d'Abnous Chalmani, « J'ai péché, péché dans le plaisir chez Grasset où elle raconte l'histoire de la poétesse iranienne Foroug Farogzad décédée en 1967 à, à l'âge de 33 ans. C'est un éloge de la liberté, liberté de mœurs, liberté de vie et liberté de, de création. Euh, la vie de, de cette poétesse est mise en regard avec celle d'une autre femme libre, Marie de Régnier. Et c'est une très belle réflexion euh, à la fois sur le thème de la liberté et, et de la création et, et sur l'Iran. Je conseille simplement de le lire en regard avec un autre livre paru il y a une dizaine d'années, de Ramita Navai, « Vivre et mentir à Téhéran ». Jean-Louis Bourlange. Oui, François Mitterrand avait dit « L'Algérie, c'est la France ». On lui a beaucoup reproché. Il avait sans doute un peu raison, euh, car la relation entre l'Algérie et la France, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais je dirais que ce mot euh, euh, s'applique tout à fait à l'Arménie. Euh, L'Arménie, c'est la France. Il y a en le, entre le, les Arméniens et les Français une relation qui n'est pas une relation d'extériorité, qui est une relation d'intimité de, de, extrêmement profonde, d'autant plus tragique que nous sommes absolument incapables géopolitiquement d'apporter à ce pays la sécurité dont il a besoin. Et je voudrais donc recommander le livre de Michel Marian, L'Arménie et les Arméniens en Sans Question Les clés d'une survie. Euh, Marian est un intellectuel de très bonne qualité, euh, qui, euh, euh, qui, qui est philosophe, qui est maître de conférences à Sciences Po, qui euh, a fait euh, l'école normale supérieure et, et l'ENA. Et, et je crois qu'il répond à des questions extrêmement élémentaires, mais fondamentales. L'Arménie a-t-elle été le premier État chrétien Pourquoi le gouvernement turc continue-t-il à nier le génocide Les Arméniens sont-ils à jamais dans la main des Russes Il y a 100 questions comme ça. Je crois que nous avons le devoir de comprendre des gens qui nous sont très très proches. Je vous remercie, je vous signale que la semaine prochaine, l'émission sera une émission thématique consacrée à et recevant Michel Vinoc, dont les livres d'égo-histoire sont sous ce titre publiés, regroupés dans la collection bouquins. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire répond aux questions que posent nos auditeurs sur la plateforme de financement que je les encourage à utiliser, Marion Boissard qui a assuré l'enregistrement de cette émission pour le studio L'arrière-boutique tandis que Julien Deville et Nouvelles-Écoutes assurent la production de cette émission et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une émission thématique autour et avec Michel Vinoc